doigts jetés, une main serrée, un granit, et c'est parti! Exhibile tendrement tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie Crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On y est aujourd'hui mercredi. Mercredi, c'est le petit pas à pas technique sur la chaîne Crochet Academia. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et là, c'est super important parce que c'est une question qui m'est souvent posée. Alors, je sais, j'ai dû en faire deux ou trois de vidéos comme ça sur la chaîne Mamie Crochet. Mais bon, encore une fois, hein, je ne vais pas le répéter chaque fois, difficile de le retrouver. Là, vous allez le retrouver et vous aurez le titre en gros. Et comme vous savez que c'est fait exprès, vous ne pouvez pas le manquer. Bien souvent, il m'arrive de faire soit des chapeaux, comme là dernièrement le bob en raffia. Alors, il semblait que ça pouvait être féminin, mais ça match aussi dans d'autres coloris. En noir, en gris, tout ça, ça peut être mixte. Mais aussi pour les bonnets d'hiver. Et la question que vous me posez souvent, alors moi je pars tranquille, allez hop, on va se faire un chapeau, on va se faire un bonnet. Et bien évidemment, je dis grossièrement, regardez, vous avez... dans le carnet, ou alors je vous mets en, vous avez maintenant à chaque fin de vidéo, je vous ai mis vous avez les tableaux, hein, comme ça tout le monde les a. Donc c'est tout à la fin des vidéos, vous avez donc les tableaux des mensurations. Donc vous avez les circonférences des têtes, tout ça. Mais une circonférence, c'est compliqué pour faire un rond avec un j'arrête de bouger mon ange, promis. C'est compliqué de faire une circonférence avec un morceau de carton, avec un mètre ruban, avec tout ça. Il y a une chose qu'on a appris à l'école et qu'on oublie un petit peu, c'est l'histoire de pi, du rayon, de ceci, de cela. Qu'est-ce qu'on veut, nous? Nous, ce qu'on veut, on demande qu'une chose. On demande de crocheter en rond. On sait crocheter en rond. On fait notre cercle magique. On fait soit nos 6, soit nos 8, soit nos 12 mailles serrées ou brides. Et on fait des augmentations, et on fait des augmentations, et on fait des augmentations. Et ça nous donne un cercle. Il est beaucoup plus facile pour je vous dis qu'il n'a aucun respect pour lui-même. Il est beaucoup plus facile pour nous de faire un cercle et de mesurer donc le diamètre et de se dire, ben là c'est bon. Là c'est bon pour telle ou telle taille. Donc aujourd'hui, vous allez avoir la vidéo qui va vous permettre de faire des bonnets, que ce soit pour les prématurés ou pour ce soit les gens qui ont des grosses têtes. Voilà, sur la chaîne Crochet Academia. Pourquoi? Parce qu'avec un simple calcul, mais alors vraiment, vraiment très très simple, je vais vous expliquer comment faire en toute taille des bonnets, des chapeaux, pourquoi pas des bérets, pourquoi pas des casquettes, qui sait, peut-être qu'il y a des casquettes qui sont prévues pour cet hiver. Et grâce donc simplement à notre cercle magique et au fait qu'on va agrandir notre cercle, que ce soit en spirale ou en faisant des mailles en l'air et en augmentant, eh bien je vais vous donner les astuces pour faire donc des bonnets, des chapeaux pour toutes les tailles. Voilà. Donc vous pouvez, alors surtout, je vous préconise, maintenant vous faites comme vous le sentez, de vous abonner. Je ne vous dis pas ça, en vrai, les abonnements, c'est pas le plus important quand on a une chaîne YouTube. Je vous le dis sincèrement. Ça flatte simplement l'ego, et je pense qu'il y a des âges où l'ego n'a pas besoin d'être flatté. Je vous préconise de vous abonner pour pouvoir mettre les notifications. Comme ça, vous avez... bien évidemment, vous retrouvez
déjà dans vos abonnements la chaîne Crochet Academia. Vous retrouvez la chaîne Crochet Academia dès que vous posez une question technique. Et aussi, vous allez recevoir des petites notifications quand je sors une vidéo, tout simplement. Voilà. Comme je vous dis, c'est pas une chaîne, c'est surtout une chaîne où je veux que, quand vous vous posez une question, que vous ayez des réponses, parce que vous êtes nombreuses à arriver, vous débutez à peine, ou alors on oublie. Si je ne fais pas de chapeau pendant longtemps, je vais complètement oublier le calcul de la circonférence avec le diamètre. Hein. On perd un petit peu la tête aussi avec l'âge. C'est mon cas dans tous les cas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner de façon à pouvoir retrouver cette chaîne technique qui peut, je pense, vous être utile. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce... Regardez-moi cette grosse patate. Regardez-moi cette grosse patate. Voilà. J'avais pas voulu allumer trop la lumière parce qu'il dormait. Mais bien évidemment, comme il est curieux, dès qu'il m'entend parler... je vous laisse aller voir ça, je vous laisse surtout profiter que c'est la période de faire des petits bobs d'été. Eh bien, n'hésitez pas à faire des bobs pour vous, des chapeaux, tout ça. Voilà, écoutez, sur ce, je vous fais de gros bisous. Et est-ce que je ne vous retrouverai pas vendredi pour quelque chose qui serait en corrélation? Qui sait? Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis à vendredi pour un tuto sympa qui va nous rendre toutes belles. Voilà, allez, gros bisous. Gros bisous, grosse patate. Oui, c'est ça, rentends-toi bien.